En ce qui concerne les relations modernes, de nombreux hommes ont des doutes sur l'engagement dans une relation sérieuse avec une femme moderne. Alors que la plupart des hommes sont attirés par la fausse beauté de la femme moderne, l'homme de grande valeur n'est que trop conscient de ce qui se cache derrière. L'homme de grande valeur est indépendant, intelligent et ne suit pas ou ne se conforme pas aveuglément à la société. Il ne supporte pas l'attitude d'une femme moderne et ne la met pas sur un piédestal. Bien que la liste des raisons puisse s'allonger, voici les 12 principales raisons pour lesquelles les hommes de grande valeur évitent les femmes modernes. 1. Elles attendent trop d'un homme. Les femmes modernes ont tendance à avoir des attentes très élevées envers les hommes et recherchent souvent un partenaire parfait, qu'il s'agisse d'argent, de beauté ou d'une bonne éducation. Ces femmes attendent trop de leur partenaire potentiel. Cette attente irréaliste est quelque chose que les hommes de grande valeur rejettent parce qu'ils ne croient pas à l'idée de perfection. Ils ne veulent pas être à la hauteur des idéaux de quelqu'un d'autre et préfèrent avoir une relation basée sur le respect et la compréhension mutuelle. Avoir des normes élevées, c'est bien, mais s'attendre à la perfection est tout simplement irréaliste. Ils ne veulent pas être mis dans une boîte ou avoir l'impression qu'ils ne sont pas assez bons à cause de quelque chose hors de leur contrôle. C'est pourquoi les hommes de valeur se détournent souvent des femmes modernes et préfèrent être avec quelqu'un avec des attentes plus réalistes. 2. Elles sont accros à leur téléphone et aux réseaux sociaux. De nombreuses femmes sont constamment collées à leur téléphone parcourant Instagram, Twitter ou TikTok. En tant qu'homme de grande valeur, il apprécie son intimité et ne tolérera personne qui n'est pas présent sur le moment. Il n'a pas besoin de la validation constante d'autres personnes et n'a pas besoin de vérifier constamment son téléphone. S'il remarque qu'une femme est plus investie dans son téléphone que dans sa relation, il prendra probablement ses distances avec la situation. Avoir un lien fort avec quelqu'un signifie être capable de se déconnecter des distractions de la vie quotidienne et de se concentrer l'un sur l'autre. Bien qu'il soit compréhensible que certaines femmes comptent sur l'image de marque personnelle pour gagner leur vie, cela peut parfois aller trop loin. Essayer d'avoir l'air parfait en ligne n'est pas attrayant pour les hommes de grande valeur, et ils trouveront souvent quelqu'un d'autre qui est plus concentré sur le présent. 3. Elles ne comprennent pas le concept d'indépendance. Les femmes modernes dépendent souvent trop des hommes, que ce soit financièrement ou émotionnellement, et sont trop souvent promptes à renoncer à leur liberté en échange de la sécurité. Les hommes de grande valeur trouvent ce manque d'indépendance peu attrayant car ils apprécient la force, la résilience et l'autosuffisance d'une femme. Un homme de grande valeur ne s'engagera pas envers une femme qui cherche quelqu'un d'autre pour prendre soin d'elle ou combler le vide dans sa vie. Il veut être avec quelqu'un qui est sûr d'elle-même et peut relever le défi de la vie sans compter sur le soutien tout le temps. Avec ce type de femme, cette indépendance fait souvent défaut, ce qui rend difficile pour ces hommes de prendre ses relations au sérieux. Bien qu'il soit formidable d'avoir quelqu'un pour vous soutenir, les femmes modernes poussent cette dépendance trop loin et c'est quelque chose que les hommes de grande valeur ne toléreront pas. 4. Elles peuvent tomber amoureuses de n'importe quel homme avec un gros portefeuille. Malheureusement, il n'est pas rare que les femmes modernes tombent éperdument amoureuses d'un homme avec un gros compte en banque. Elles sont souvent trop facilement dupes de la richesse matérielle et des cadeaux clinquants, que l'homme ait ou non d'autres qualités désirables. Bien que cela ne soit pas vrai pour toutes les femmes, il est assez courant que les hommes de grande valeur évitent de telles relations. Ces femmes choisissent les hommes en fonction de leur portefeuille, pas de leur cœur. Pour un homme de grande valeur, c'est une indication de son manque d'estime de soi. Bien qu'il n'y ait rien de mal à ce qu'une femme veuille être financièrement en sécurité, les femmes modernes ont tendance à manquer de stabilité émotionnelle et sont trop souvent prêtes à sacrifier leurs vraies valeurs pour l'argent. Qu'il s'agisse d'un sac à main ou de vacances somptueuses, elles prennent souvent des décisions matérialistes que les hommes de valeur trouvent désagréables. Non seulement c'est un énorme obstacle, mais cela indique également le manque de caractère de la femme. 5. Elle manque de substance dans la conversation. Quoi de pire que quelqu'un qui parle constamment mais jamais de substance? Les hommes de grande valeur sont attirés par les femmes avec profondeur et perspicacité, ils ne seront donc pas intéressés par quelqu'un qui se contente de divaguer sans ajouter de valeur réelle à la conversation. Ils veulent quelqu'un qui a des pensées et des opinions authentiques, pas seulement des bavardages dénués de sens. C'est comme le dit le proverbe. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que vous voulez dire. Un homme de grande valeur ne sera pas impressionné par quelqu'un qui peut remplir une pièce de son sans y penser vraiment. Il veut quelqu'un qui puisse penser de manière critique et savoir quand se taire et écouter. Être capable d'articuler ce que vous pensez et pourquoi est une qualité attrayante aux yeux de ces hommes. Si une femme n'a pas cela, elle n'en vaudra probablement pas la peine.
6. Elle manque de maturité émotionnelle. Bien qu'être émotionnellement mature ne signifie pas qu'une femme ne peut jamais se sentir triste ou vulnérable, cela signifie qu'elle est capable de traiter et de gérer ses émotions de manière saine. Les femmes modernes luttent souvent avec cela en raison des pressions de la société. Les hommes de grande valeur recherchent quelqu'un qui a trouvé sa propre façon de naviguer dans les hauts et les bas de la vie sans avoir de dépression émotionnelle pour chaque petite chose. Bien que les hommes de grande valeur soient farouchement indépendants, ils recherchent des liens émotionnels forts et ont besoin de quelqu'un qui puisse les rencontrer à ce niveau. Si une femme ne peut pas gérer ses émotions d'une manière adulte, alors il n'y a aucun moyen qu'un tel homme puisse lui faire confiance avec ses sentiments. Cela ne veut pas dire que toutes les femmes modernes manquent de maturité émotionnelle, mais c'est quelque chose dont il faut être conscient. Les hommes de grande valeur ont tendance à être plus prudents avec leurs sentiments, ils ont donc besoin de quelqu'un qui ne profitera pas de cette vulnérabilité ou ne l'utilisera pas comme excuse pour ses propres insécurités. Si une femme peut faire preuve de stabilité émotionnelle et de conscience, alors elle peut avoir ce qu'il faut pour conquérir un homme de grande valeur. 7. Elles essaient souvent de contrôler les actions et les décisions de leur partenaire. Certaines femmes peuvent souvent être trop autoritaires, essayant de dicter ce que leur partenaire doit ou ne doit pas faire. Ce genre d'attitude possessive est quelque chose que les hommes de grande valeur ne supportent pas. Ils veulent une femme qui leur laisse la liberté de penser et de prendre des décisions pour eux-mêmes sans interférence constante de sa part. Une relation doit être une question de respect mutuel et non une personne essayant d'avoir le contrôle ultime sur l'autre. Les hommes de grande valeur ne veulent pas être dans une situation où on leur dit constamment quoi faire et comment agir, car cela ne ferait que provoquer ressentiment et frustration. Ils préfèrent de loin une femme qui fait confiance à leur propre jugement et leur permet de prendre leurs propres décisions sans aucune pression ni manipulation. Lorsqu'ils sont confrontés à ce type de comportement, les hommes de grande valeur prennent souvent leur distance ou même rompent complètement la relation. 8. Elles sont trop concentrées sur leur apparence. Ces femmes sont souvent obsédées par l'idée d'obtenir le selfie Instagram parfait et de suivre les tendances beauté sans remettre en question les conséquences des régimes extrêmes et de la chirurgie esthétique. Les hommes de grande valeur trouvent cela peu attrayant car ils s'intéressent davantage à la beauté intérieure d'une femme qu'à son apparence physique. Bien sûr, prendre soin de son corps et avoir l'air présentable est important. Cependant, les hommes de grande valeur préfèrent les femmes à l'aise dans leur peau et ne sont pas obsédés par des questions triviales telles que les normes de beauté. Alors que ces femmes sont souvent promptes à critiquer leur corps, les hommes de grande valeur trouvent que cette insécurité est un obstacle majeur. Cette obsession de la beauté physique se traduit souvent dans d'autres domaines de sa vie, et ses priorités superficielles ne sont pas quelque chose dans lequel les hommes de grande valeur veulent investir. 9. Elles sont trop sensibles et font tout un plat de rien. Certaines femmes sont souvent trop promptes à juger et à s'offusquer de choses qui ne sont pas censées être offensantes. Ce genre d'hypersensibilité est quelque chose que les hommes de grande valeur ne peuvent tout simplement pas supporter. Ils ne veulent pas marcher sur des œufs tout le temps, craignant de dire la mauvaise chose et de mettre la femme en colère. Ils privilégient l'honnêteté et la transparence dans les relations, ce qui est difficile à faire quand quelqu'un est constamment nerveux. Si une femme prend chaque petite chose personnellement ou s'offusque trop facilement, alors comment un homme peut-il avoir confiance qu'elle ne prendra pas les choses hors de leur contexte ou ne les exagérera pas? Cette hypersensibilité rend difficile pour un homme de grande valeur de s'ouvrir et d'être lui-même, c'est pourquoi il opte souvent pour des partenaires moins dramatiques. 10. Elle reste en contact avec des ex trop longtemps au cas où les choses pourraient s'arranger. Les hommes de grande valeur en ont généralement fini avec leurs relations passées et n'ont aucun désir de rester en contact avec des ex. Ils ne veulent pas être dans une situation où ils se comparent constamment à quelqu'un du passé ou se sentent comme s'ils n'étaient pas assez bien pour la femme avec qui ils sont actuellement. Si une femme est toujours en contact avec ses ex juste au cas où il pourrait arranger les choses, l'homme de grande valeur ne sera pas disposé à rester dans la relation. Il valorise la loyauté et la confiance, ce qui est difficile à faire quand quelqu'un n'est pas totalement déterminé à passer à autre chose. C'est pourquoi il choisira souvent de mettre fin aux choses plutôt que de rester dans une relation où il ne se sent pas en sécurité. Bien que toutes les femmes qui restent en contact avec son ex ne le fassent pas par intention malveillante, les hommes de grande valeur éviteront toujours de s'impliquer s'ils ressentent un doute ou une hésitation persistant. 11. Elles n'apprécient pas ce qu'elles ont et se concentrent sur ce qu'elles n'ont pas ou veulent plus. Beaucoup de femmes ont l'habitude de prendre les choses qu'elles ont pour acquises. Cela peut aller d'avoir un emploi stable à vivre dans une maison confortable et profiter de vacances luxueuses.
Les hommes de grande valeur ne supporteront pas les gens qui n'apprécient pas ce qu'ils ont déjà, car cela envoie le message que rien n'est jamais assez. Cela ne plaira jamais à un homme de grande valeur qui valorise le contentement et la vie dans le présent. Bien sûr, il est naturel de vouloir plus de la vie, mais un homme de grande valeur veut quelqu'un qui peut aussi profiter et apprécier ce qu'il a maintenant. Rêver de quelque chose de plus grand et de meilleur est formidable, mais pas si cela signifie ignorer ce qui se trouve juste devant eux. Si une femme ne peut pas s'arrêter et profiter du moment, alors c'est un mauvais signe pour un homme de grande valeur. 12. Elles ont tendance à avoir droit. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect. Mais les hommes de grande valeur sont rebutés par quiconque agit comme si le monde leur devait quelque chose. Le droit n'est pas du tout attrayant et peut entraîner des malentendus et des conflits. Ils apprécient le travail acharné et l'humilité. Donc, quelqu'un qui s'attend à ce que le monde s'occupe d'eux n'ira pas très loin avec eux. Être humble et reconnaissant va très loin à leurs yeux. Alors qu'un homme de grande valeur sait qu'il est important de se défendre, il veut quelqu'un qui peut le faire sans rien attendre en retour. Si une femme est constamment à la recherche d'avantages ou d'un traitement spécial, alors l'homme de valeur se méfiera de ses intentions et choisira de rester à l'écart.